Oh, qu'est-ce que t'as dit? Hello tout le monde, t'es belle mon amour. Bon, alors, petite update d'ici. Enfin d'ici, petite, voilà, je vous tiens au courant de ce qu'il en est. Ça fait 2 nuits qu'on dort ici et on dort très bien. Donc ça c'est une bonne chose, il fait très calme. C'est super cool aujourd'hui, par contre il fait pas très bon. Je vous montre le temps, il est... voilà, je sais pas si vous voyez, mais il fait assez gris, donc c'est pas génial, il fait un peu froid dehors. Heureusement, les radiateurs vont, donc ça c'est une bonne chose. On avait peur en fait. En fait, quand on a acheté la maison au propriétaire, très honnêtement, on n'a pas essayé de voir si la chaudière allait, si les radiateurs allaient, s'il y avait de l'eau chaude. Enfin, vous voyez tout ce qui doit fonctionner, qui est un peu relou quand ça ne fonctionne pas. Tout fonctionne parfaitement bien, donc je suis trop contente. Les radiateurs, ils sont pas super beaux. Vous savez, c'est les radiateurs en fonte assez gros. Mais ça, c'est des choses que je vais garder parce que ça chauffe 1000 fois mieux que des radiateurs comme on achète maintenant dans le commerce. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui va rester, qui va devenir bien blanc, hein, les radiateurs. Mais ils vont rester et du coup, il fait méga bon dans la maison. Je suis trop contente. Là, il est midi, tout pile. Je vais donner à manger à Mila. Et ce matin, j'ai bossé à fond et bien sur mon ordi parce que j'avais, je sais pas, une centaine de mails en retard parce que ça fait 3-4 jours que j'avais pas pu faire mes mails, etc. Pour ce qui est de la box Bouygues qu'on a acheté, vous savez, la box 4G là, je sais pas où elle est, je sais pas où Alex l'a mise. Alors, l'antenne en fait, elle est pas très loin dans la rue. Du coup, le gars nous avait dit que normalement ça devait fonctionner du tonnerre, mais au final ça fonctionne moyen, moyen. Donc, on va devoir aller acheter une antenne exprès. En fait, c'est une antenne 4G qui va capter la vraie antenne de Bouygues et qui va faire que ça fonctionnera mieux. Donc, ça fonctionne quand même, on a internet, mais c'est pas la folie furieuse quoi. Et du coup, ici on a que la DSL, on n'a pas la fibre ni quoi que ce soit. Je vous rappelle qu'on est dans le fin fond de la France, enfin dans le fin fond du nord de la France, et donc internet ici c'est pas encore, voilà, on n'a pas encore la fibre malheureusement ici. Mais heureusement il y a cette fameuse box 4G qui est quand même plutôt cool, même si on va devoir rajouter une antenne, bon ça coûte un petit 100 €. J'espère qu'avec ça, en tout cas, ça fonctionnera, ça c'est clair. Mais logiquement, avec ça, il ne devrait pas y avoir de soucis. Il faut uploader les vidéos, hein, les amis. Sinon, voilà. Hein. Pas de vidéo, hein. Pas d'internet, pas de vidéo. Hein. Mes amis. Mais oui, ce sont mes amis. Ils sont gentils, les gens qui nous regardent, pour la plupart en tout cas. Ma sœur veut que je lui apprenne à faire de ce qu'on appelle overboard ou scooter électrique, comme vous voulez. Ouais, ça c'est du stabilisateur. C'est mieux que le drone. Et seulement je la trouve pas, elle s'est barrée là, je sais pas où elle est. C'est bien ça pour aller chercher le courrier à la boîte aux lettres. Hop, je vais chercher le courrier à ma boîte aux lettres et je remonte. Ah, voilà ma soeur qui veut essayer. Ça risque d'être un peu fun. Bon, c'est pas gagné, mais il y a du mieux là. Regardez-moi ça. Bon, je vous reprends en après-midi. Là, je vais faire mes courses avec Mila. Mila n'est pas dans le siège parce qu'en fait, ma belle-sœur est juste devant moi en train de mettre de l'essence ici à côté de la maison. Et elle a pris Mila. Enfin, Mila a voulu aller dans sa voiture faire le zouave, voilà. Donc, je vais aller faire mes courses, tout simplement, pour la première fois de ma vie, dans mon village. Voilà. Tu veux ça, les crêpes? Oui. De matin. De matin. Pour le matin? Allez, viens, d'accord. Pour le matin. Tu veux cela? Ben, prends cela. Cela. Oui, vas-y, tu peux les prendre. Tu veux quoi d'autre? Là, les œufs, peut-être? Oui, Mila est en manque de chocolat. Depuis le matin, elle m'en demande et j'en ai pas. C'est pas grave, on le laisse là, celui-là. On va le remettre droit tant qu'on y est. Allez hop, on y va. Voilà, de retour des courses, des mini-courses.
On a un hypermarché à côté de chez nous à un quart d'heure. Je crois que c'est un Leclerc, mais je suis plus certaine. Mais juste à côté, on a juste un market, en fait, un Carrefour Market. Mais bon, pour faire des petites courses comme j'avais besoin maintenant, Mila est endormie, c'est pour ça qu'elle a une tête comme ça. C'est largement bon, quoi. Parce qu'en fait, j'ai toujours pas récupéré. Les trucs pour cuisiner, tout simplement. Oui, mon chat. Du coup, Mila qui voulait absolument du chocolat, bah vous avez vu, elle a pris ça. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des petits trucs pour manger comme ça en vitesse parce que moi j'ai rien avalé de la journée. Mila a voulu ça. Alors ça, c'était pas au frais, bon, pour 16h ça peut passer. J'ai pris ça pour ce soir en espérant qu'Alex, sur le voyage qu'il est en train de faire, il me ramène des casseroles, sinon ça ne sert à rien, hein. Concrètement, j'ai pris du taboulé bio, j'ai repris de la mayo pour que Mila mange une petite tranche de jambon là, voilà. J'ai pris des bananes bio pour Mila, j'ai pris ça parce que vous voyez, il y avait Elsa dessus quoi, sans déconner. Et Mila, elle aime beaucoup maintenant les caprices des dieux, du coup je lui en prends des mini, comme ça elle les mange tranquille, voilà. J'ai pris du saucisson pour Alex. C'est toutes des choses en fait qui sont pas obligées d'être au frais. Pratiquement. J'ai pris des chaussons aux pommes, j'ai pris de la sauce pour faire avec les pâtes tout à l'heure. Peut-être que Steph va manger avec nous parce que Steph est là, je sais pas si vous l'avez déjà vu aujourd'hui. Et voilà, et j'ai pris du coleslaw. Et ma belle-sœur, elle est repartie après le magasin, enfin juste avant le magasin. Oui, t'as pris aussi des petits chocolats avec des dinosaures. Tu veux lesquels? Les Kinder ou les chocolats avec le dinosaure? Ceux-là. Ceux-là? Là-bas. D'accord. D'accord. Celui-là. Celui-là? Oui. Ah, il est pas bon celui-là. Il est pas bon? Bah, il faut les manger alors. Papa a amené la cuisine tout à l'heure de Mila, donc j'ai mis juste à côté de sa maison. Voilà, ça fait un gros bloc, mais c'est pas grave. Bientôt il y aura notre cuisine ici, enfin je l'espère bientôt. En attendant, c'est les jouets de Mila, donc je vais encore ranger un petit peu parce que du coup j'ai ramené toute sa caisse. Elle est où? Ah là, toute sa caisse avec. Toute sa vaisselle, ses trucs pour faire sa cuisine, etc. Voilà. On va prendre sa douche et ensuite gros dodo pour Mila parce qu'il est déjà l'heure. Voilà, elle a besoin de prendre une douche parce que elle a mangé son jambon avec de la mayonnaise, elle s'en est mise partout. Voilà, donc faut absolument qu'on la douche. Alex il est toujours en train de faire des trucs dans le garage, etc. Moi j'ai rangé tout le living, absolument tout, j'ai plus qu'à passer l'aspiro et à repasser, à relaver le sol parce que à force de marcher, on l'avait déjà fait, mais à force de marcher, on ressalit tout. Donc je sais pas si je le ferai après quand elle sera endormie ou demain matin. Demain il y a plein de potes qui viennent nous donner un coup de main dans l'autre maison et ici, voilà, ça fait plaisir parce que franchement ici Steph nous a donné pas mal de coups de main, la soeur d'Alex aussi, mais on est pas assez quoi. Du coup ça n'avance pas et on galère. Et là franchement, même pour le moral, on a intérêt à terminer ce déménagement parce qu'on est vraiment fatigué. Alex il est vraiment crevé. Voilà une douche plus tard. Mila pareil. Il n'y a plus de lait pour les bébés. Et Mila elle aime bien encore boire ses biberons de lait de bébé. Donc je lui ai ouvert une nouvelle bouteille de ce lait là, c'est le lait que je bois moi, voilà. Donc je finis la bouteille, j'ai une tête là avec la lumière de l'ordinateur, c'est comme ça. Je vais dormir tout de suite avec elle, il est 21h45, il est plus que temps qu'on se couche. Du coup je vais me coucher avec elle parce que de toute façon je suis HS. Alors désolée, je n'avais plus de place sur ma carte de caméra en fait. Et le temps que je la décharge, Mila s'est endormie, donc je parle tout doucement, voilà. Je l'ai fui, magnifique. Et deux trucs pour la chambre de